Salut YouTube, comment ça va? Bienvenue à vous pour ce nouveau Let's Play sur Dead Space Remake. Oh my god, ça va être incroyable, j'adore, je suis react de ouf parce qu'il faut faire des vues. On est en live, on est sur Twitch, chez chat si jamais vous voulez dire bonjour, c'est maintenant. Vous avez quelques secondes pour communiquer. Voilà, donc tout le monde est là, voilà, comme d'habitude, hein. Ils veulent pas lâcher l'affaire, ils veulent pas se casser. Ils sont là quasiment tous les soirs, ils me pètent les couilles littéralement. Mais bon, on les aime, c'est des bons bugs. Du coup, bah, je laisse m'accompagner dans mes péripéties diverses et variées. Allez, chat, maintenant vos gueules, on est parti pour jouer. Allez, c'est parti, let's go, nouvelle partie. Normalement, j'ai tout réglé, j'ai tout fait, bonjour tous les settings. Tout le monde. Et salut, Linad, merci pour les 14 mois, comment tu vas? Ok. Isaac, c'est moi. J'aurais aimé te parler, mais... Je suis désolée. Je suis désolée pour tout. J'aimerais juste pouvoir parler à quelqu'un. Tout s'écroule ici. J'arrive pas à croire ce qui se passe. C'est étrange. Ces petites choses. C'est elle? Nicole? Ouais, ça faisait des semaines que j'avais pas de nouvelles. Eh ben, t'es toujours en train de faire tourner ce truc en boucle. Elle doit vraiment te manquer. Une mission sur l'Ishimura, ça ne se refuse pas. Mais 6 mois sans se voir à se parler que par vidéo, c'est dur. On peut facilement dire une bêtise. Je te blâme pas. Moi-même, j'écouterai ma petite amie plutôt qu'Amon et ses protocoles de sécurité. C'est qu'on elle est basée sur... C'est ce que vous dites. Ah, c'est par IA. Sans encombre. C'est Nia. Pense. Imaginez-vous 6 mois en tête à tête avec ce caillou. Pour un mineur indépendant, c'est le paradis. J7 est l'une des plus grandes découvertes de la CEC. L'équipe de prospection a touché le jackpot. Bon, où est-ce qu'elle est? Le voilà. Contact visuel avec l'USG Ishimura confirmé. Quelle merveille. Le plus grand brise-surface de l'univers. Apparemment, le travail a commencé. Pourquoi le vaisseau est si sombre? On devrait pouvoir voir ses lumières. Ouais. Je vais nous mettre à portée. On doit être attendu. Mais soyez prudents à l'approche. Je veux pas qu'on prenne de risques avec la plus grande fierté de la CEC. Aucun risque, hein. C'est pour ça que vous fouillez dans mes dossiers perso avant de partir. Vous surveillez les accès à vos fichiers? Je suis analyste informatique, ça fait partie de mon travail. Rien d'autre que des contrôles de routine de la CEC, Daniels. Si vous voulez jouer dans les hautes sphères, il faut connaître les règles. Monsieur, on est à portée d'appel. USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kellyon envoyée suite à votre appel de détresse. À vous, Ishimura. Ishimura, vous nous recevez? Répondez. Ici USG Kellyon. T'as déjà entendu parler d'une panne de communication sur ce genre d'engin? Non, jamais. Allez, que quelqu'un décroche, bordel. C'est quoi ça? Leur antenne de communication à l'RHS. Peut-être un problème d'encodeur. Daniel et moi pouvons nous en occuper en 48 heures max. Hé, comme ça tu pourras rattraper le temps perdu avec Nicole? Ouais, j'espère. Jen, Johnston, approchez-nous. Tom Cruise. Gravitationnelle activée. Atterrissage automatique. Tom Cruise, ouais. Ça vient. Je perds le contrôle. Merde! On est hors trajectoire! T'inquiète! Le forçage du système de pilotage ne répond pas. Merde! On arrive trop vite! On va s'écraser sur la coque! Oh! Le bleu, là! Ça nous ralentira pas! Ah bon? Compris! Laissez tomber les boucliers! On s'accroche! C'est bon, on est sauvé. Le monde va bien? Ça va. Je vais survivre. Tom Cruise. Ça va? C'est ma cheville. Je crois qu'elle est cassée. Merde. Mais mieux vaut ça qu'une nuque brisée, ou pire. Bonne idée le stabilisateur, Isaac.
Heureusement que je lis toujours le manuel. Bordel, il se passe quoi avec la salle de contrôle? Ce système de pilotage va nous tuer. Un truc à ajouter à ta liste de réparation. Jen, quels sont les dégâts? Les communications sont mortes, on a perdu le propulseur. On a un stabilisateur en feu. Le réacteur est foutu. Ça pourrait être pire, mais pas de beaucoup. Allons chercher de l'aide. Johnston, restez sur le Kellyanne. On va envoyer un médecin. Les autres, avec moi. Voilà, dinguerie. T'as oublié un truc? Comment va ta cheville? Ça fait un mal de chien. Mais je connais pire. Tu peux y aller, je gère. Comme début pour une mission de préparation. Procédure standard. Vaisseau les gars, non, je crois qu'on peut fouiller après, pas maintenant. Vous inquiétez pas. Je connais le gelé. Oui, ça va quoi. Autant se connecter. Les effets de lumière sont quand même bien réussis en vrai. Bienvenue à bord de l'USG Ishimura, Isaac Clark. Rig synchronisé. Récupérez les modules de télékinésie et de stase auprès de l'ingénieur en chef Jacob Temple. Localisation. Erreur. Employé non trouvé. J'arrive pas à joindre la sécurité. Pareil pour l'ingénieur en chef. Qu'est-ce qui cloche avec leur communication? C'est la même touche que d'espèce normale, je crois. X pour le chemin et tout, c'est la même touche. Pour save, ok. On va se rappeler ça plus tard. Celui-là était pressé de partir. Où est l'équipe de sécurité? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Rien d'enregistré. Aucun tableau de service et pas de courant dans l'ascenseur. Pour l'amour de Dieu. Cette console fonctionne toujours. Isaac, évaluez les dégâts. J'ai pas envie de jouer. Vous sentez ça, vous aussi? Sentir quoi? Comme si un truc était mort dans les lignes de mire. Ah. Il y a quelque chose par terre. Qu'est-ce que c'est? Zach, je veux ce rapport de dégâts. En fait, il y a un truc que je trouve ouf, en fait, dès le début, et je l'ai vu directement. C'est en fait les... la luminosité du jeu, en fait. Le premier Dead Space était vachement plus lumineux. Là, il y a vraiment ce côté hyper sombre, tu vois, genre... Là, tu vois, genre, le mur, là, est vachement sombre, je vois rien. Je vois pas de mur en face, là, tu vois. Pareil pour là-bas, tu vois, genre, là-bas, c'est vachement sombre aussi. Et je trouve ça, genre, tellement mieux. Parce que du coup, en fait, je trouve que Dead Space 1 était vachement plus lumineux, tu sais.
Ouais, pareil, la petite brume un peu, tu vois, volumétrique que tu vois, en fait, elle est vraiment là, tu sais, c'est pas un truc, tu vois. Genre, c'est vraiment présent. Alors ça, pour le coup, c'est un FPS killer. Normalement, tout ce qui est bruit volumétrique, enfin, brume volumétrique, c'est un FPS killer. En fait, ça bouffe des FPS de fou. Mais là, ça a l'air d'être assez bien optimisé avec le DLSS, ça a l'air d'être cool, en vrai. C'est vraiment bonne idée d'avoir mis le DLSS dans le jeu, je trouve. Oh, bordel, cette odeur. Qu'est-ce que vous avez, Isaac? Merde. Il n'y a pas que les communications et le système de pilotage. La moitié des Shimura est HS. Les moteurs, la coque, les trams. Merci. Qu'est-ce qui pourrait faire autant de dégâts à un bris surface? Ok, j'ai trouvé du courant. La ventilation fonctionne, l'ascenseur devrait pas tarder. Anomalie dangereuse détectée. Quarantaine activée. Encore un problème? Non, les systèmes de quarantaine sont tous en état. Attendez. Effet de lumière incroyable. Vous avez entendu? Ouais. Ouais, je l'entends. Amon. Que tout le monde se calme. Daniels, réactivez ses ascenseurs. Il n'y a pas que nous ici. Là-haut! Mon Dieu! Qu'est-ce que t'as fait? Tirez mon essai! C'est bon, c'est bon, allez, allez! What the fuck? Le sang sur la tenue d'air. Oh. Regardez comment le sang coule. Je sais pas si vous voyez. Au niveau de l'épaule là. Regardez comment le sang coule petit à petit. Et du coup il vient à disparaître. C'est pas espace pour piétiner? C'est quoi pour piétiner? Je peux pas encore piétiner, c'est ça? C'est après? Cut off their limbs. Et c'est pas comme ça qu'on l'a. Et c'est pas comme ça qu'on l'a le cutter plasma. Non, mais on l'a sur le truc d'opération. Si, c'est comme ça. Vous êtes sûr de vous? On l'a pas sur le truc d'opération? Merde, j'ai pas vu. Ah, c'est le 2, ça. Putain, ouais, je confonds. Ça, c'est vrai que j'ai fait le 2 récemment et du coup, genre... C'est vrai que j'ai fait le 2 récemment et... Enfin, j'ai fait le 2 plus récemment. Et du coup, j'ai confondu avec le 2, effectivement, vous avez raison. Ah ouais, c'est vrai, je m'en rappelle plus trop du 1 en vrai, vous avez raison. L'animation du cutter plasma, elle est tellement satisfaisante. Ils ont rework un peu le son et l'animation et c'est vraiment satisfaisant de fou. Eh, y a pas un mode photo? Ils ont pas mis un mode photo? Non, mais c'est des chiens. Des chiens. Ils respectent pas l'amour pour le jeu vidéo. Ok. Ah, j'ai pas de stase, ok. Ah, j'ai pas la... Ouais, non, mais j'ai pas la télékinésie encore, ok. Parce qu'en fait,
Ça là, tu vois ça là? Ah gars, c'est tes meilleurs amis. En mode difficile, c'est tes meilleurs amis. Je te nique, gros con. Attends, mais... Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, j'allais déjà oublier, putain. Oh, je suis en ouf, j'allais déjà oublier la mécanique de base du jeu. Tiens, j'allais déjà oublier les mécaniques de base du jeu. Les effets de lumière sont vraiment bien faits. Hein. Il n'y a plus les fluides. Ouais, c'est très fluide. Bah là, je suis à 120 FPS, tu vois. Mais vous êtes à 60, mais moi, je suis à 120 et c'est giga fluide. Il y avait ça, il y avait pas ça je crois si. Genre c'était pas l'ombre qui passait à côté. Demande de sécurité retrouvée. Il est pas mort. On lui a tiré une balle en pleine tête et il est pas mort cet enfoiré. Smith a dû lutter comme les bras et les jambes. Par pitié, envoyez de l'aide. Ok. Ah ouais c'est vrai que le jeu est sombre. Ah, c'est ouf comment le jeu est sombre. F, faut pas que je fasse F, les gars. Montre l'inventaire, est-ce que l'inventaire a changé? Oh, non, l'inventaire est quasiment similaire. Ouais, c'est vrai que tu mets les navigues, c'est vrai que tu navigues avec les flèches directionnelles. En fait, c'est là où tu vois que... Ils ont gardé la jouabilité console, tu vois. Le jeu est pas très jouable avec clavier souris. Enfin, ça se joue clavier souris, attention. Hein. Vu que je joue clavier souris. Mais le menuing, en fait, tu vois qu'il est adapté console, en fait. Ok. Oh, ce son. Oh, ce son. Mon dieu, Isaac, t'es en vie. Bordel. Ils sont partout. Chen, il est... Il est mort. J'ai rien pu faire. Mais bordel, c'est quoi ces trucs? Parmi ceux que j'ai vus, certains portaient des uniformes de l'Ishimura. C'est l'équipage, ça? Franchement, comment ça peut être l'équipage? Tu les as regardés? Il faut qu'on aille sur le pont. Il y a plus de 1000 personnes à bord, il y aura forcément quelqu'un. C'est pas possible. Le système de tram est en miettes. Et tout est verrouillé à cause de la quarantaine. Vous êtes tous les deux des techniciens, alors comment on fait? Petit aparté, vous voyez, tu vois, ça paraît basique, tu sais, le fait que genre te parle depuis sa montre terminale et qu'en gros, tu la vois et qu'en vrai, tu la vois aussi là-bas. Mais dites-vous que pour l'époque, c'était incroyable, tu vois. C'est ce petit détail du... tu vois, en fait, tu la vois via ton hologramme, tu vois, ton truc HUD là, tu vois. Et en fait, tu la vois aussi derrière là-bas en fond. C'était genre insane à l'époque. Et dites-vous que c'était l'un des premiers jeux... Salut tout le monde. C'est parti des premiers jeux qui avaient fait le parti pris de n'inclure aucun HUD à l'écran. Okay, tout était genre basé sur le personnage d'Isaac. Donc là, pour ceux qui n'ont pas compris, la jauge verte là sur l'épine dorsale en fait, c'est la vie. Okay, donc en gros c'est la vie. Vous verrez, il y a un autre truc à côté, je vous spoil pas, etc. Et vous verrez, si vous regardez l'écran en fait, il n'y a aucun HUD. Et c'est incroyable. Il y a un wagon de tram en panne qui bouche le tunnel. Ça a bloqué le système. Et un des disques durs a cramé. Je ne peux ni désactiver le verrouillage ni appeler le tram tant que j'en ai pas un autre de la maintenance. Le problème, c'est que tout est du côté d'Isaac. Je m'en occupe. Assure-toi que les systèmes de réparation sont alimentés. Et Isaac? Oui? Je suis sûr que Nicole va bien. Elle est médecin, c'est ça? Elle fera ce qu'il faut. Ouais. Ouais, comme d'habitude. Mettez-vous à l'abri. Je reviens bientôt. En fait, c'est fou parce que dans le premier Dead Space, pour info, Isaac ne parlait pas, on est d'accord. Il réparait le tram, trouvait le disque dur, on a dit que l'un est grillé, il faut que je le remplace, mais quelque chose ne va pas, ce genre de matériel ne brûle pas par accident. En fait, le fait qu'ils aient doublé, en vrai, je trouve que c'est une bonne chose, tu vois. Ça, pour le coup, c'est un bon ajout. Tu
tu vois, le fait que Isaac parle, je trouve que c'est vraiment, vraiment genre un bon ajout, tu vois. Parce que dans le 1, il parlait pas. Il parlait à partir du 2. Mais là, du coup, là, ils l'ont fait parler et je trouve que c'est vachement bien. Ok. On va aller par là. On va voir ce qu'il y a ici. Non, mais c'est déjà le cas, ça. C'est déjà le cas, ça. Genre, non, parce qu'il me dit, quand tu vas dans le menu, le personnage bouge la tête. Mais c'est déjà le cas, ça. En fait, en gros, c'est comme si, en fait, il ouvrait, en fait, avec son holo, là. Il y a une sorte d'holo ici, là, tu vois. Comme s'il l'ouvrait et qu'il radait, en fait, les éléments, tu vois, avec lesquels il veut interagir, tu vois. Donc oui, genre la tête qui bouge, c'est pas... C'est le cas depuis le début, en fait. C'est le cas depuis le Dead Space 1, le premier Dead Space sorti à 2009, 8, tu vois. Non, il parlait pas dans Dead Space 1, les gars. Il parlait pas, c'est sûr, il parlait pas. C'était pas ça, ça. Il n'y avait pas ça avant. Non, il n'y avait pas ça avant. Ah, peut-être que je peux me tromper, mais il y a des trucs que je connais plutôt bien et en vrai, ça existait, il n'y avait pas ça avant. Isaac, ne vous emmerdez pas à leur tirer dans la tête. Ça les ralentit même pas. Bon. Le seul moyen, c'est de leur arracher les bras et les jambes. Mais ça les tue. Ou est-ce que ça les empêche juste de bouger? Gars. Ça, c'était gratuit, ça. C'est nous. Cette salle existait. Mais pas... pas comme ça, je crois. Genre, ça me dit quelque chose dans le 1. Mais comment elle est faite? Pas comme ça en vrai. J'ai pas mal de balles, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Le jeu est sombre. Chat, vous galérez pas trop, vous, que là... Non, ça va. En fait, chez vous, il est plus clair que chez moi. Ah, chez vous, il est un peu plus clair que chez moi, les gars, le jeu. Hein. Mmh.
chien en fait. Ouais, c'est mieux. Ah parce que c'était un peu trop clair chez vous. Genre quand j'ai déjà des streams, c'était un peu trop clair quand même. Ok, c'est bon. Ah parce que en fait en gros le stream de base je booste un petit peu, tu sais, les gamins pour que vous puissiez un peu me voir. Sauf qu'en fait là c'est un jeu sombre, il faut pas que vous voyez aussi bien en fait. Vous pouvez que vous puissiez voir aussi bien en fait. Donc ouais, là on est pareil là. C'est normal, non, je suis en difficile. En difficile. Est-ce qu'il y a des salles où j'ai pas été? Attendez, deux secondes, j'aurais juste fait. Genre, de toute façon, on reviendra ici, je pense, plus tard. Donne-moi ça. Ils ont gardé le. La respiration, le. Tu sens qu'il souffre. Tu sens qu'il est dans le mal, tu sais. Balèze, y'a pas à chier. C'est balèze. Oh, normal. Normal, je suis en difficile, les gars. Un plomb quoi les gars, je suis en difficile. C'est ouf ou quoi? Merci beaucoup les potes, merci. J'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention, mais oui. Ah, je suis au-dessus là? Difficile les gars, ceux qui viennent d'arriver, je suis en difficile. J'ai mon département d'ingénierie aérospatiale, facture de réparation de la navette pour deux jours de mission, ok. Attends, c'est quoi? Je peux scroller avec la souris, ok, je peux. J'ai un mode défectueux, remplacer mon fonctionnel, jour 3 de mission, 40 défectueuses, toujours en réparation, nanana, répulseur, atterrissage endommagé. Emplacement complet, 3 fonctionnels, fenêtre de vue en avant, à gauche, en un, ok. Ouais, tout qui est baisé, quoi. Mais non, mais j'en ai marre que ce jeu crache tout le temps, là.